Vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec Petite Perle qui dort là, non, là, mais vous ne la voyez pas, et je ne vais pas la déranger puisqu'elle roupille confortablement. Nous sommes le dimanche 14, j'allais dire février, ce serait bien, mais non, déjà avril. J'espère que vous allez bien, il est 18h30 et j'ouvre cette vidéo, il fait encore jour, c'est cool. Pour le coup, on a une plage horaire de tournage plus grande. On se retrouve pour une nouvelle semaine de pseudo-vlog, vous savez, j'appelle ça un vlog, mais ce n'en est pas vraiment un, étant donné que je suis toujours au même endroit. Mais nous allons parler créatif, parce que je pense n'avoir absolument rien d'autre à vous dire. C'est vrai que, fut un temps sur ma chaîne, je parlais beaucoup de produits naturels, d'astuces naturelles, de cosmétiques naturelles, de soins des cheveux au naturel. Je ne suis pas repassée au chimique pour autant, du tout, je suis toujours complètement dans le naturel, mais j'ai moins cette avidité de tester des choses, etc. Donc j'utilise toujours les mêmes produits. Et voilà, j'ai plus cette avidité de chercher à comprendre les nouveautés, les nouveaux machins et trucs. Et pour les cheveux, j'en prends toujours autant soin. Je vous montre parfois. Mais c'est vrai que pareil, je n'ai plus l'avidité de tester les nouveautés ou quoi. Je teste de temps en temps des nouvelles choses que j'achète sans pour autant vous en parler. Et je crois que niveau astuces cheveux, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Vous retrouvez des milliards de contenus sur le sujet, notamment ici sur YouTube, où tout est classé par des playlists, si ça vous intéresse, ou sur mon compte Instagram, où c'est un peu plus brouillon, mais si vous descendez le feed, j'ai essayé de mettre des titres quand même assez parlants pour retrouver les infos. Voilà. Pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. En plus, mes cheveux sont sales, je vais les laver ce soir, donc chignon de rigueur... tout le temps. L'autre fois, c'est Éléonore, fille de nuage, qui m'a demandé si je tricotais souvent des cheveux, parce qu'elle, elle tricote beaucoup de cheveux quand elle tricote. Oui, évidemment, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. À cela près que ça m'arrive pas tant que ça, pour plusieurs raisons, je pense. La première, c'est que mes cheveux étant très longs, ils sont... sous les fesses, presque sous les fesses, je les ai souvent attachés. Donc fatalement, j'ai pas les cheveux détachés devant moi, donc des cheveux qui tombent, donc des cheveux qui vont dans le tricot. Bien sûr que des fois j'ai des cheveux sur mes vêtements ou quoi qui s'accrochent dans le tricot, je m'en aperçois. En plus, comme mes cheveux sont hyper longs, ça fait beaucoup de mailles. Des fois j'arrive pas à totalement le défaire, ou j'ai la flemme de tout défaire. Et le fait est que... on perd tous des cheveux, c'est absolument normal, sauf si la chute est trop conséquente, là ce n'est pas normal, il faut faire une prise de sang. Mais on perd aussi un pourcentage de cheveux en fonction de notre densité capillaire, donc du nombre de cheveux qu'on a sur la tête, et on n'a pas du tout tous la même densité capillaire. Et moi, contrairement à ce qui pourrait paraître, je n'ai pas une grosse densité capillaire. J'ai des cheveux épais, le diamètre de mes cheveux est épais. Si vous preniez un microscope pour regarder l'épaisseur de mes cheveux, il fait partie de la catégorie, je pense, des cheveux épais, mais je n'ai pas une grosse densité. Ce qui fait que, au niveau du pourcentage de perte normale de cheveux, proportionnellement, à quelqu'un qui a une très forte densité, j'en perds moins.
D'autant plus que je me complémente pas mal, alors pas pour les cheveux, ça fait longtemps que je me suis pas complémentée pour les cheveux, mais je me complémente pas mal pour diverses raisons de santé, en oméga 3, en magnésium, en zinc, etc. Et ça joue sur les cheveux, voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué en me coiffant ce matin que là, j'ai de plus en plus de cheveux blancs, ici là, juste là, là. C'est la vie, et oui, j'ai fêté 37 printemps il y a pas si longtemps, c'est la vie. Bon, je baratine pour ne rien dire, ce n'est pas hyper intéressant. Je disais donc qu'on se retrouve pour une nouvelle semaine créative où je vais essayer de venir plusieurs fois. Il n'y a pas de raison que je ne vienne pas, après ça peut être comme la semaine dernière, coup de flemme, de fatigue et deux fois seulement, et on verra bien. On parlera donc, je disais, je pense, exclusivement de tricot parce que rien n'a à dire d'autre. Je porte le... comment s'appelle-t-il ? Clémentine. Le t-shirt Clémentine de Christelle Nioul que j'avais testé pour elle, ça doit faire 2 ans, 3 ans. C'était pas l'année dernière, c'est sûr, mais je ne sais plus si ça fait 2 ou 3 ans. Donc c'est un t-shirt avec un col V assez prononcé, des manches tombantes. Moi, ce que j'aime pas trop dans le mien, c'est que, je sais pas si vous allez voir, là ça a une finition en écorde et là ça rebique un peu. Faudrait que vraiment, enfin je crois que même en essayant d'être super à plat quand je le lave, ça rebique quand même un peu parce que j'ai un petit peu trop de matière dans le dos et du coup c'est pas bien bien tendu, mais bon bref, c'est pas très grave, il me va bien. La particularité de ce truc, c'est d'avoir une dentelle japonaise. On peut avoir de la lumière, merci. Une dentelle japonaise sur le bas du t-shirt. Et je trouve ça très 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 joli, ça finit vraiment bien le t-shirt. Moi je l'ai pas fait trop court, donc il tombe bien. Et ah ouais, alors un truc, si on peut parler de mode, je me suis acheté ça récemment. Ceci est une jupe culotte, style pantalon large, 7/8, parce que moi si j'achète des trucs longs, c'est trop long, mais 7/8, ça m'arrive comme un pantalon. C'est vachement bien, et alors c'est d'un confort. C'est en jersey noir, les jambes sont assez larges pour les beaux jours là, c'est d'un confort avec une taille élastiquée plate, hyper important la taille plate, comme ça là, comme ça, parce que si c'est pas plat, ça fait de l'épaisseur sur l'endroit où j'ai le plus d'épaisseur, donc non, les trucs froufroutants et tout, même pas en rêve, mais voilà, donc c'est cool. Ce top je l'aime bien, mais comme je vous disais, chaque année il est un petit peu chaud. Alors il est fluide parce que le chambre c'est comme le lin, ça a une certaine fluidité, par contre c'est... rêche un petit peu, alors pas au porté, hein, mais en fait le truc c'est que ce top là a un échantillon de fingering et que je l'ai tricoté donc avec de la pernelle de chez Nati CA, et j'ai pas aimé la tricoter parce que je pense que la pernelle n'est pas faite pour être tricotée dans un échantillon de fingering, mais plus dans un échantillon de déca. Et je crois que j'ai tricoté ça vers le tout début où la pernelle sortait, et ça marche, mais ça faisait super mal aux mains et ça fait un truc super dense. Je crois qu'il y a 700 grammes dans mon top là, donc il pèse son poids quoi, il pèse vraiment son poids. Et alors tout le monde me dit que la pernelle c'est absolument génial, c'est super fluide et tout, je pense que oui, mais dans un échantillon de déca. Là clairement je pense que, certes le fil est fin, mais c'est comme le lin, il faut le tricoter un petit peu, déjauger pour qu'après le fil prenne son ampleur, sa souplesse, etc. Alors je le mets, mais genre pour les températures actuelles c'est vachement bien, dès qu'il fera plus chaud je peux plus le mettre, j'ai trop chaud. Voilà. Que dire d'autre ? Eh bien, petit point tricot pour démarrer cette semaine. Pas énormément de choses à dire. J'ai des plans tricot dans ma tête qui vont encore évoluer, ça c'est sûr. Certains projets que j'aimerais finir, et ensuite j'aimerais mettre en place le fameux tirage au sort dont je vous parle depuis des mois. Coucou Eve, moi je n'arrive pas du tout à faire comme toi. Mais j'ai complètement changé d'organisation de tirage au sort. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et tout ce week-end. Et on en reparlera quand je le mettrai en place. Dans l'idéal, j'aimerais que ça se mette en place genre mi-mai peut-être. Ouais, on verra. On est mi-avril, peut-être mi-mai. En attendant, pas de tirage au sort. J'ai fait une commande chez Kalidou parce que je devais racheter des pelotes pour finir mon atout. Enfin, il est pas du tout fini là, d'ailleurs. Très peu avancé depuis la dernière vidéo, mais j'étais sûre de ne pas avoir assez de pelotes, donc fallait que j'en rachète, et c'était le moment de profiter de la promo. Je ne sais pas quand s'arrête la promo, mais bientôt je crois, sur les fils d'été. C'est un peu bête d'arrêter la promo sur les fils d'été maintenant, je sais pas ce qu'ils vont refaire comme promo. En fait ce qui m'énerve chez Drops, c'est que les promos sont pas forcément de saison, genre la Kitsil qui est en promo l'été généralement,
Et en plus, on connaît pas les dates. Genre chez Kalidou, il y a jamais marqué promo de telle date à telle date. Donc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de louper les promos parce que je me dis, oh bah, je commanderai à la fin du mois quand j'aurai la paye. Et en fait, bah non, il n'y a plus la promo parce qu'il n'y a pas de date. Et d'un autre côté, je crois que c'était en novembre, je m'étais dépêchée de commander de l'alpaca parce qu'il y avait la promo. Et en fait, Kalidou avait fini par dire, oh non, mais elle est valable jusqu'au 31 décembre. Bah, vous pouvez pas le dire un petit peu jusqu'à quand c'est valable. Bref, donc il me fallait des pelotes de belles coloris 21 pour mon Atoul. Je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est certainement pas le même bain, c'est sûr, mais je ne sais pas s'il y a une grosse différence. Ce qui fait que je vais d'abord user toutes mes pelotes de... que j'ai en stock. Je vais voir si... si j'arrive au bout. Si j'arrive au bout, j'alternerai peut-être sur la fin du... gilet, sinon bah, je ferai que les finitions avec la, le nouveau bain et c'est pas très gênant. Et donc il y a une couleur qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait cette commande Kalidou, c'est la Paris. Donc la Paris j'en avais déjà acheté l'année dernière, rappelez-vous, quand je sais plus quel site déstockait de la Drops et c'était très peu cher, et elle avait notamment de la Paris, notamment des couleurs qui n'existent plus chez Kalidou, donc j'avais acheté du violet, etc. C'est un coton très épais. L'année dernière, j'ai fait le top Tamias avec, et je ne réitérerai pas pour un top, parce que c'est un coton trop épais. C'est trop chaud, clairement, pour un top, c'est pas du tout judicieux de faire avec une si grosse épaisseur de fil, même si c'est un fil végétal. Par contre, je trouve que c'est cool pour faire éventuellement des t-shirts de mi-saison, et surtout pour faire des petits gilets ou des petits pulls légers à mettre par-dessus, vous voyez, les trucs un peu déjaugés, tout ça, je trouve ça vraiment cool. Et c'est un fil qui est vraiment très très peu cher. Alors, le coton déjà, c'est pas écologique, mais alors là, je ne veux pas savoir comment il est fabriqué. Bref, le fait est que la pelote était à 1€, il y a une couleur qui m'a fait... Donc j'ai pris un nombre de pelotes un peu au pif. C'est donc la Paris, c'est 100% coton, 75 mètres pour 50 grammes, donc c'est quand même vachement lourd. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait, faut pas faire une pièce avec 12, 15, 18 pelotes, parce que... Voilà. Et c'était 1€ la pelote, et j'ai pris le coloris 21. Et c'est à l'envers. Et j'aime beaucoup ce vert, vert menthe, vert d'eau, vert ce que vous voulez. Je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Pour le printemps-été, et donc j'ai castonné un truc, mesdames, messieurs, vous allez dire « Quoi ? Mais tes tests et tes trucs en cours ?» Vous savez que moi je suis pas un castonne-près, ça ne me dérange pas du tout, s'il y a bien un truc qui ne me stresse pas, c'est les castonnes, et les en cours, mais je vous vois hurler derrière votre écran quand je vais vous montrer ce que j'ai castonné, et j'ai pas mal avancé. Alors, attention, la bête est là, donc ça, j'ai tricoté que sur ça depuis hier, parce que j'avais trop envie. Même si je vais vous montrer, j'ai quand même avancé sur mon aconite. Donc ça, c'est ma troisième pelote. Vu comment j'avance et tout, j'estime mon besoin dans ce projet en pelote entre 8 et 10. Sachant que du coup, c'est 1€ la pelote, ça fait un t-shirt entre 8 et 12€, quoi. Enfin, c'est pas un t-shirt, une pièce entre 8 et 12€. J'ai envie de vous dire que c'est tout à fait correct, quoi. Puis il faut pas que ce soit beaucoup plus non plus niveau du poids, parce qu'après, c'est du coton, ça va se détendre, ça va se déformer, etc. etc. Bref, vous connaissez la chanson. Voilà, mais la Paris, clairement, je vous la recommande pas pour faire des tops. Enfin, ou alors, si vous avez très froid et que vous voulez des tops, enfin... Je comprends pas trop l'adéquation entre un top, donc sans manches, et un fil aussi épais, ça n'a pas de sens. Bref, j'ai donc castonné. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, parce que mon câble est assez petit, comme d'habitude, mais vous allez... quand même hurler derrière votre écran. J'ai castonné. Ah, un oculus. Je vous entends me dire « Oui, mais ton ranonculus rose, tu l'as pas terminé, il en est où ?» Elle est là. Il est bien dans son sac à projet, mais son heure viendra. Pas de panique, je le terminerai. Le ranonculus rose est dans un fil d'une épaisseur à peu près similaire, mais dans un numéro d'aiguille plus petit, je crois. Attendez, il est là, on va regarder ensemble. Et les deux n'ont pas du tout vocation à être la même chose, je vous explique. Alors, ah oui, c'est un fil, c'est un fil d'épaisseur similaire. Fais-moi voir ça, mon petit. Oh, la Paris est un petit peu plus grosse, et je crois que je tricote ça en 5, non ? En 5, alors que là, je suis en 6. Et lui, il a quand même bien avancé, hein, rappelez-vous. Tac. Lui, j'avais doublé la dentelle et j'avais presque terminé le corps.
Et voilà. Et c'est un dégradé que vous voyez rayer, rappelez-vous aussi, beaucoup plus rayé que ce qu'il n'est en vrai. Bref, donc lui, il est bien là. Il va être fini parce que j'ai très envie de le faire et de le porter. Mais j'avais très envie de questionner pourquoi m'en serais-je abstenu ? Quelle raison ? Pourquoi ? J'ai envie, on y va. Ça ne coûte rien à personne, ça me fait plaisir, c'est que du bonus, voilà. Et donc, je tricote ça en 6, je crois que c'est le premier ranunculus que je tricote en aiguille 6. C'est la taille d'aiguille préconisée par le patron à la base, puisque la base du patron, c'est un patron de Midori Heroes. La base du patron, c'est de peu importe l'épaisseur du fil que vous prenez, vous tricotez ça en 6, car le rendu souhaité est un rendu plus ou moins déjaugé, voire très 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 déjaugé si vous faites ça en light fingering ou en mohair, etc. Là, vu l'épaisseur du fil, moi j'ai pris de la 6 parce que je me suis dit que ça me donnerait un tissu fluide, un peu déjaugé sans être over à trous, et c'est tout à fait ce que c'est. Hein. On a sur un tissu fluide, parce que le coton, si vous le tricotez serré et qu'il est gros comme ça, ouh, là vous êtes sur le cliché du coton carton. Donc, ouais, j'ai un tissu fluide, mais pas particulièrement déjaugé. Et alors, que veuille-je faire ? C'est très bizarre à prononcer ça. Qu'est-ce que je veux faire de ce projet ? Je veux faire un t-shirt. Enfin, je veux un haut manche au-dessus du coude. Donc, ça fait un peu long pour un t-shirt. Moi, les t-shirts que je porte habituellement sont plutôt comme ça, voire même un peu plus courts. Mais là, je veux un haut au-dessus du coude. Plus oversize que le rose là, parce que j'allais dire que mes versions précédentes, mais le bleu et le en mohair, ils sont assez oversize. Un peu large, et pour une fois, pas très très long, parce que je veux le porter sur un comme petit pull sur un débardeur. Ça sera pas un truc que je porterai tout seul. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit genre au niveau du nombril, par exemple, parce que sinon, moi, j'ai pas de taille. Je suis là comme Cécile. Coucou Cécile, si tu passes par là, je suis de la team sans taille, donc autant s'inventer une taille. Et j'aimerais pouvoir le porter sur des robes aussi. Et clairement, sur des robes, si c'est trop long, c'est très très moche. Donc je pense m'arrêter vers le nombril pour faire un haut un peu crop qui, de toute façon, n'aura pas pour vocation d'être porté tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, j'ai pris les aiguilles 6 comme préconisé parce que ça me paraissait bien avec ce fil-là. Évidemment, on est sur un truc plutôt grossier, hein. On n'est pas sur un tissage super fin comme le Aconit ou le Sioman que je suis en train de faire avec des aiguilles 3,25. Non, là on est sur un tissu plus grossier. Mais j'aime bien. J'ai choisi de faire l'encolure large, comme d'habitude, évidemment, truc d'été, et encore, je pense qu'elle va s'élargir au lavage. J'ai fait le montage préconisé, je vous l'ai déjà dit, si vous voulez, enfin, même si pas si vous voulez, il faut faire le montage préconisé pour le ranunculus, parce que l'encolure est prévue comme ça, sinon vous aurez une encolure beaucoup plus petite. Et encore, je pense que j'aurais pu faire l'encolure avec des aiguilles encore plus grosses, si je voulais vraiment cet effet encolure très large. On verra ce que ça donne. Je suis pas à l'abri d'en refaire un autre dans ce goût-là, vu le prix de des pelotes, et vu que j'en ai encore en stock des pelotes que j'avais achetées l'an dernier, et si ça rend bien ce que j'envisage, je referai, c'est sûr, vu la vitesse à laquelle ça monte, c'est toujours merveilleux. Donc, j'ai fait le montage préconisé. Le yoke, je vous l'ai déjà dit, l'encolure et le yoke sont identiques pour toutes les tailles. Quand je tricote en plus petite taille d'aiguille, je double le yoke, vous savez, pour faire une dentelle plus longue. Là, je ne vais pas le faire. Je suis arrivée à la fin. Je suis juste arrivée à l'endroit où on fait des raglans. Je suis arrivée à la fin de la dentelle. Clairement, je ne vais pas la doubler. Elle est déjà assez grande comme ça, vu en aiguille 6, là, l'ampleur que ça prend. Non, je ne vais pas la doubler. Et la modif que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fait les rangs raccourcis devant parce que sur mes autres versions, je les ai faits. Et je trouve que ça remonte un peu trop le pull et que ça le tire vers l'arrière. On en discutait avec les copines et on pense qu'en fait les rangs raccourcis devant sont présents uniquement pour que la dentelle soit très très ronde, ovale. Moi, je n'ai pas fait les rangs raccourcis devant et j'ai même pris le parti, je ne sais pas ce que ça va donner, de faire un tout petit peu plus de rangs raccourcis dans le dos. J'ai fait deux allers-retours de rangs raccourcis de plus dans le dos. De telle manière à ce que vraiment que le pull ne parte pas vers l'arrière. Est-ce que c'est trop, ça va faire une bosse, j'en sais rien, on verra. J'ai juste fait deux allers-retours, hein, pas 72, mais comme on est sur des aiguilles 6, un rang c'est beaucoup plus de millimètres qu'un rang en aiguille 3. Vous voyez, au niveau du déjaugé, on est déjaugé un peu, mais pas plus que ça, quoi, sur la peau. De toute façon, ce sera pas même la peau, donc voilà. Parce que moi, un truc crop, sans rien qui cache mon ventre en dessous, c'est même pas en rêve. Même pas en rêve. Par contre, sur une robe ou sur un débardeur, oui, un débardeur noir, je plus sois.
Donc voilà, les rangs raccourcis. Et bah donc j'ai tricoté, oui, je vous dis que ça hier et aujourd'hui. J'en suis là, j'en suis allée au moment où j'ai placé les marqueurs pour faire les raglans. Je n'ai pas fait d'échantillon, je ne fais jamais d'échantillon pour le ranunculus puisque c'est la même taille pour tout le monde jusqu'au raglan. Donc je ne fais jamais d'échantillon. Là j'ai mesuré grossièrement mon échantillon à plusieurs endroits sur le tricot. Sans être lavé bien entendu, mais comme de toute façon je veux quelque chose d'un peu large, je suis pas à 5 cm de plus ou de moins en largeur. Je crois que j'ai choisi de faire la taille 5 qui devrait me donner entre 10 et 15 cm d'aisance positive, je crois. Je crois que c'est ça, 10, 15, 15, plutôt 15, je crois, cm d'aisance positive. Surtout que c'est du coton, ça peut bouger un peu, et du coton déjaugé, ça peut bouger. Et voilà. Et voilà, donc je vais le tricoter tranquille, hein. Lui pas de pression, je sais que j'ai mes tests, mais c'est mal, parce que comme je sais qu'Audrey elle est cool sur les tests, je me mets plus de pression, et du coup j'avance moins vite, c'est pas bien du tout. Je vais continuer mes tests, évidemment. Voilà, donc peut-être cette semaine, séparer le corps et les manches, parce que les raglans, il n'y a pas, dans ma taille, il n'y a pas énormément de rangs. Donc, les rangs, évidemment, sont de plus en plus grands, mais il n'y a pas énormément de rangs, ça devrait avancer. Et la couleur, je suis archi fan. Je suis archi fan de cette couleur. Et franchement, si c'est un projet qui me plaît, si la version crop je la porte, si la globalité du truc me plaît, vu le prix de revient et la rapidité pour les faire, clairement j'en ferai dans plein d'autres couleurs pour pouvoir associer à toutes mes robes d'été. Parce que les robes, j'en mets, j'allais dire, que l'été, presque que l'été, parce que l'hiver, soit j'ai froid, soit mettre des collants, ça me saoule puissance 10 000. Par contre, l'été, dès qu'il fait beau, j'aime beaucoup mettre des robes. Et donc... Donc quand il fait un peu plus frais, paf, on peut mettre un petit gilet ou on peut mettre un petit machin comme ça dessus. Voilà, en début ou en fin de journée. Je trouve ça cool. À voir ce que ça rend. Voilà. Bon, j'ai parlé mille ans sur ce truc, mais je suis très enthousiaste, vous l'aurez compris. Et sinon, l'autre projet que je vais vous montrer... parce que les autres n'ont presque pas avancé, ça ne sert à rien que je vous les montre. C'est le aconite que je teste pour Audrey Borrego, qui sort dans plus si longtemps que ça, 10 jours je crois, un truc comme ça, que je tricote en... coton mérino de Knitting for Olive, c'est ça, hein, oui, coloris ochre, brown et piglet, et donc je crois que je vous l'avais déjà montré la fois dernière, attendez, hop là, j'ai fini le corps et j'ai monté la manche, tac, j'ai déjà fait ça, donc là ce sera des manches 3 quarts sous le coude que moi je vais faire, ce qui est comme le modèle initial d'Audrey je crois. Je vous avais dit que les emmanchures étaient très larges, mais au final au relevé de maille ça va, puisque je crois que moi, alors elle donne pas de ratio de relevé de maille puisqu'on a fait un nombre de centimètres, et il me semble que moi j'ai relevé une maille pour... deux mailles pour, entre une maille pour deux et deux mailles pour trois, un truc comme ça, pour avoir le bon nombre. Donc effectivement, ça réduit quand même drastiquement la taille de l'emmanchure. Et j'ai commencé, après ce qui fait que j'ai pas foncé à fond sur la manche non plus, c'est que... bonjour mon petit chaton, viens dire coucou. Oh, t'es toute chaude. Oh, c'est tout chaud, ça, ça dormait. Oui. Oui, ça dormait. Oh, ça dormait. C'est chaud. Vous voyez, ça, c'est pas trop réveillé du tout. C'est pas trop réveillé du tout. Donc, je disais, j'ai avancé, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, j'ai constaté que ça me fait un peu mal aux mains, les mini-circulaires coudés comme ça, là, de 40 cm sur ce diamètre-là. Donc, j'y vais assez doucement, j'alterne, et j'ai remarqué que ça m'avait fait du bien de passer sur des aiguilles 6 et d'alterner en fait, et ce que j'ai constaté c'est que ce diamètre là a tendance à me faire un peu mal aux mains avec cette taille d'aiguille là, mais les aiguilles 6 à contrario, si j'en fais trop, hier j'en ai fait trop, ça avait tendance à me faire mal dans le bras, donc je vais alterner tranquille, Basile, les deux plus les deux autres projets dont je vous parle pas tout de suite parce que je n'y ai pas touché, voilà, donc la manche elle avance, l'idée c'est d'avoir fini au moins une manche cette semaine, hein, parce que sinon quand même, mais bon, ça peut le faire, hein, vu le nombre de mailles, et vu que je m'arrête sous le coude, et que j'ai des tout petits bras, rappelez-vous, oui, voilà, ça devrait le faire, et d'ailleurs en parlant de petits bras, avec les copines on s'est amusé à mesurer, et j'ai effectivement des tout petits bras, on s'est amusé à mesurer nos bras approximativement de l'os de l'épaule, là, par l'extérieur, jusqu'au poignet. Et ben moi j'ai moins de 50 cm. Voilà, entre ici, l'os de l'épaule et le poignet, j'ai moins de 50 cm. Ah, je suis grosse, faut bien avoir un avantage quand même. J'ai des bras courts, ça fait moins long à tricoter. Voilà,
J'ai parlé énormément, mine de rien. On va continuer avec les patrons et les vidéos, et puis après, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine fois. Au niveau des patrons, il y en a un, je crois. Exact. Il y a un patron que j'ai repéré sur Instagram, j'allais dire, non, pas du tout, Ravelry. C'est Lolita Duby, donc Loli Lafay, qui a sorti le gilet Concorde, qui est un joli petit gilet en mohair double. Je trouve très sympa, manche 3 quarts avec des petits volants et une patte de boutonnage un peu particulière. Je le trouve très très mignon. Alors vous savez, c'est rigolo, enfin, c'est pas du tout péjoratif hein, ce que je vais dire, mais la photo, quand je suis passée dessus comme ça et que j'avais pas vu que c'était Lolita, ça m'a vraiment fait penser aux photos de chez Drops. Il y a plein de nanas qui posent de la même manière dans des champs similaires sur les patrons de Drops, mais ce n'est pas du Drops, c'est du Lolita, nettement plus qualitatif. Voilà. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif numéro 15 d'Eve et c'était vraiment très très chouette. C'était vraiment très très chouette. Elle avance sa couverture que moi je n'avance pas. Elle est là, je la vois tous les jours, je l'admire. Mais je vous cache pas que la motivation pour la tricoter, là j'ai un peu de mal. Mais ça va revenir, ça va revenir. En tout cas, je t'embrasse Eve. J'ai regardé le vlog 68 de Julie Loli Pelote qui est aussi une grande source d'inspiration avec son joli châle doudleur et puis tous ses problèmes de santé aussi, la pauvre. Et c'était aussi très chouette. Et j'ai regardé le vlog 114 de Lauriane Laudemoiselle et c'est aussi très chouette. J'aime beaucoup les couleurs très très printanières de son gilet dont j'ai oublié le nom pour Nadia. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici. Je pense qu'on est dimanche. Je pense qu'on se retrouvera mardi et jeudi. Parce que demain lundi, j'aurai rien à vous dire. Mardi, oui. Mercredi, je pense que j'aurai rien à vous dire. On se retrouve à mardi ou mercredi. Et après, jeudi pour clore, parce que vendredi, je pense pas que j'aurai le temps de filmer. Et donc, si vous voulez la vidéo samedi, il faut forcément que je vienne clore avant samedi. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve plus tard. Nous sommes mardi. Pas de tricot aujourd'hui, t-shirt, parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui et j'ai fait plein de trucs. Il fait pas très chaud. D'ailleurs, j'ai été très étonnée de voir que, je crois que c'est en fin de semaine là, et la semaine d'après, il prévoit des températures assez froides le matin. Moi, ça me va très 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 bien. Mais attendez, je vais vous dire ça, point météo. Madame Météo, vous savez, je suis Madame Météo, moi j'aime trop regarder la météo. Je crois que c'est mon côté anxiété anticipatoire. J'adore regarder la météo. Ouais, c'est ça, dans les 10 prochains jours, il va faire entre 3 et 6 le matin. Moi, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Bref, là, je me suis agitée. J'avais chaud, donc pas de gilet, pas de châle, rien. On est toujours sur des giboulées de mars en avril. Là, il vient de pleuvoir des cordes. Maintenant, il fait soleil. Avant, il faisait soleil. Bref. Je reviens rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus pour vous parler tricot obsessionnel. On peut le dire. On parle tricot obsessionnel. J'ai avancé un seul projet depuis que je suis venue dimanche. Il s'agit de mon ranunculus en Paris de Drops. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est fini ou si ça va se finir bientôt la promotion Drops sur les fils d'été. Alors chez Kalidou ou chez tous les autres revendeurs, hein, puisque c'est pas Kalidou qui fait une promo, c'est Drops chez tous ces revendeurs. Et j'ai craqué, j'ai repassé une petite commande, avec quelques coloris de Paris pour faire d'autres ranunculus, parce que vraiment, je sens que je vais adorer le porter. Donc j'ai pris du rouille, du naturel, du rose peut-être, du rose clair. Et je sais plus, une autre couleur, je crois. Enfin bref, et comme il faut pas beaucoup de pelotes à chaque fois, ça va. Et que ce sont des pelotes à 1€, ça va. J'ai fait une toute petite commande. Et donc, bref, je n'ai avancé que sur mon ranunculus. Et je peux vous annoncer qu'il sera fini aujourd'hui. Oui, oui, oui. Le pull fait en 4 jours. Bon, à ma décharge, aiguille 6. Forcément, il y a beaucoup moins de mailles en circonférence. Il y a beaucoup moins de rangs en hauteur. Manche courte. Et en plus, je le fais crop pour une fois. Donc voilà. Donc, j'en suis là. Oh, c'est canon. Cette couleur, j'aime trop ce genre de couleur. J'aime trop 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 ce genre de couleur pour l'été, là, vermante, un peu claire. Voilà. Donc, le yoke était déjà fini, je vous l'avais montré. J'avais fini ma pelote, mis en attente pour faire les manches. Donc j'ai fait je l'ai essayé pour voir comment ça allait sur moi quand j'ai mis en attente sur un grand câble. Pour voir aussi quelle longueur fallait pour les manches, donc voilà, il m'allait très très bien, enfin franchement quand je l'ai essayé, bien sûr il était court, mais je vais vous dire après, moins court que je pensais,
Et donc, du coup, j'ai regardé à peu près combien de temps il me fallait pour les manches. Donc, ce que j'ai fait hier soir et fini un petit peu ce matin, les deux manches. Alors, ultra rapido, hein, vu la taille des manches et le nombre de mailles, voilà. Par contre, je suis assez surprise, je l'ai réessayé avant de repasser le corps sur un câble plus petit. Le corps, j'ai de l'aisance, vraiment. Les manches, bah, pas tant que ça. Donc, il va falloir que je les écarte un peu au blocage si je veux que les manches aient le même effet d'aisance un peu que le corps. Et à refaire, du coup, je pense que je répartirai les nombres de mailles quand on se met à faire les raglans un tout petit peu différemment. Je pense que je mettrai peut-être genre 2 mailles de plus sur chaque manche. Parce que c'est pas si large, en fait. Le corps a vraiment de l'aisance. On voit quand je porte, vraiment, j'ai de l'aisance. Les manches, pas tant que ça, quoi. Donc j'ai fait des manches toutes droites, hein. J'ai fait que 10 rangs de jersey et après 5 rangs de côtes torse. En 5,5 les côtes torse, en 6 les manches, tout simplement en 5,5 parce que déjà je voulais pas trop que ça resserre. Et parce que si je passais en 5, il fallait que je passe dans mon autre kit Yaya. Et donc ça veut dire changer de câble, machin, ça me saoulait. Donc voilà, puisque chez Yaya, de 2,75 à 5, ça s'appelle les small, je crois. Et donc c'est une circonférence de câble particulière, et au-delà de 5, à partir de 5,5, c'est une autre circonférence de câble, donc faut soit avoir des connecteurs, soit d'autres câbles, et en l'occurrence, moi j'ai dans cette trousse quelques... je crois que j'ai un et deux dans certaines tailles, paires d'aiguilles de 5,5 à 9, je crois, et j'ai quelques câbles, donc en fait c'est comme si je m'étais constitué un kit Yaya grand diamètre. Et voilà, donc bref, j'avais la flemme, donc voilà. Donc j'ai fait les manches, elles sont bien, un chouille courte peut-être par rapport à ce que je voulais, mais comme elles sont plus fitées aussi, voilà. Mais je sais que le coton va potentiellement bouger au lavage, que le yoke avec la dentelle va s'étaler un peu, donc elles vont descendre un peu. Et moi je pense que je vais tirer un tout petit peu dessus en largeur quand je le laverai pour que ça prenne un petit peu plus. Mais franchement, je l'ai essayé sur un débardeur comme je le mettrais, comme si j'ai envie de le mettre... Au printemps, et j'adore, et donc j'ai remis les mailles sur mes aiguilles là, et figurez-vous que j'en suis aux côtes, et oui ça paraît très très court vu comme ça, mais une fois que j'aurai fait les côtes, le machin sera sur mon nombril, parce que je suis petite, rappelez-vous, donc le pull sera sur mon nombril, donc c'est exactement ce que je veux, parce que après, un peu plus long, je trouve que c'est entre... trop court et pas assez long, c'est, voilà, là vraiment, si je veux que ça fasse l'effet que j'ai envie que ça fasse, il faut que ça arrive sur le nombril et pas plus, donc voilà, donc bah là je vais faire, je pense, 5 rangs de côtes comme sur les manches, pas beaucoup plus parce que sinon ce sera trop long, d'autant plus que quand je l'ai essayé, j'ai bien vu qu'avec mes rangs raccourcis dans le dos, et puis la poitrine devant, comme le ranunculus c'est pas hyper bien foutu de ce niveau-là, on a exactement le même nombre de mailles devant dans le dos, ça pareil, peut-être que je modifierai le nombre de mailles devant dans le dos, parce que je pense que peut-être 2 mailles de plus devant, peut-être que les... Ouais, faudrait que je revoie le nombre de mailles, mais voilà. Donc le dos est long, le dos m'arrive déjà presque dans le creux des reins en fait, avec la longueur qu'il avait, avec les rangs raccourcis, plus le fait que j'ai pas de poitrine dans le dos. Donc voilà. Donc lui, eh ben, il sera fini aujourd'hui, j'ai déjà fait un rang de côtes, il me reste quelques rangs de côtes à faire. Le rabat à l'italienne, j'ai fait un rabat à l'italienne ici, enfin à l'aiguille, nickel, hein. Nickel, très rapide, rien à dire. Par contre, le seul truc, la seule expérience pas terrible que j'ai eue sur ce pull-là, c'est que pour l'essayer, il fallait un grand câble. Et le plus grand câble que j'ai de chez Yaya dans ce truc d'aiguille, c'est 100 ou 120, je sais plus. De toute façon, 100 ou 120, c'est trop petit pour moi. Donc, fallait pas que je compte là-dessus. Et j'ai regardé, je n'ai pas de connecteur gros câble. Je sais même pas si ça existe. Enfin, je pense que ça existe, moi j'en ai pas. Donc, j'ai passé sur un Scooby-Doo comme ça, qu'une amie, Tricami, m'a offert pour mon anniversaire. C'est trop cool parce que j'en avais pas, j'ai jamais essayé. Et ce qui est cool, c'est que là, c'est pas un Scooby-Doo genre d'enfant. C'est un vrai truc un peu plus large, vous voyez. Le diamètre est vraiment bien, la souplesse du truc aussi, la taille était nickel, je pense que le câble il fait 150, un truc comme ça, donc nickel. Sauf que, c'est la première fois que j'essaye, alors je sais pas si c'est comme ça avec tous les câbles ou si c'est moi qui suis pas douée, mais, ou si c'est le fait que ce soit du coton aussi, c'est possible, le câble est complètement mat. Ce qui fait que les mailles ne glissaient pas du tout, dessus. Limite, entre le fait que ça fait une petite bosse, forcément quand on le met au bout de l'aiguille,
pour passer la bosse et le fait que le câble soit mat, j'ai limite dû passer, forcer toutes les mailles une par une pour que ça aille. Après, une fois sur le câble, les mailles ne glissaient pas du tout. J'ai dû forcer à la main pour les répartir parce que le câble étant mat, ça ne glissait mais pas du tout. Et pour remettre les mailles sur les aiguilles, là c'était plus facile puisque une fois que je passais les mailles sur l'aiguille, ça glissait tout seul. Par contre, pour les rassembler, pour les rassembler quoi, qu'elles aillent sur l'aiguille, bah j'ai plusieurs fois cru que j'allais casser mon Scooby-Doo là parce que je devais tirer dessus, ça coulissait pas du tout. Je sais pas si c'est parce que ce câble est de mauvaise qualité, mais il me paraît de bonne qualité. Si c'est parce que j'utilise du coton ou quoi, mais ça serait vraiment très très judicieux que ces câbles là soient brillants, lisses et pas mat comme ça parce que ça. Alors oui, ça accroche, vous perdez pas vos mailles hein. Mais la galère, franchement, je sais pas si je referais très souvent, quoi. Je vais peut-être plutôt m'acheter un connecteur de câble. C'est dommage, parce que je trouve ça cool. C'est vrai que moi, j'ai tendance à pas utiliser ces câbles-là, parce que j'ai beaucoup de câbles. Yaya, j'en ai racheté plein au fur et à mesure, parce que je déteste être à court de câbles, et je fais attendre mes manches sur des câbles. Comme ça, une fois que je reprends mes manches, bam, je mets des aiguilles et c'est parti. J'ai pas à transférer, machin, perdre des mailles et tout. C'est vrai que moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours racheté des câbles au fur et à mesure. Dès que je voyais que je manquais de tel format de câble, paf, j'en rachetais. J'en ai plein des câbles. Je pense que j'en ai au moins 4 ou 5 de chaque taille. Donc, ouais, même la petite taille pour les manches, je pense que j'en ai au moins 6 parce que je pense que j'ai au moins de quoi mettre 3 vêtements en attente, 3 manches de vêtements en attente, au moins. Donc voilà, bref, c'était la petite anecdote. Dites-moi si vous avez un tips ou quoi, je sais pas. J'étais à deux doigts de mettre du lubrifiant ou de l'huile sur le câble. Hein. Vraiment, à deux doigts. Voilà, donc lui, je suis trop contente du rendu. Je trouve que l'encolure est bien, mais elle pourrait être plus large. On voit que je tricote serré, parce que vraiment, chez Midori Heroes, alors elle a un tout petit corps aussi. Quand elle fait l'encolure, c'est le même nombre de mailles pour tout le monde. Donc c'est le même nombre de mailles pour moi, pour elle, pour tout le monde. Et le même montage, elle, c'est vraiment une très grande encolure. Donc peut-être que pour le prochain, je monterai les mailles avec une aiguille d'un numéro supérieur, donc peut-être 7. Même pas 6,5, peut-être 7, pour vraiment avoir la grande encolure, parce que c'est ça que j'aime bien aussi. Dans ce côté pull un peu loose, court, qui peut tomber un peu de l'épaule, enfin, c'est le style que j'aime bien, le style un peu bohème que j'aime beaucoup. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais lycéenne, et un petit peu après, je m'habillais très... Alors... Baba cool, c'est pas le mot, parce que j'ai vraiment jamais été dans l'extrême, mais j'aimais bien le style pantalon large, un peu coloré, les trucs à fleurs, enfin voilà, j'aimais beaucoup le côté 70s, et là je trouve que ça donne un petit côté décontracté cool, et en plus, on peut dire c'est moi qui l'ai fait, donc ça c'est trop cool. Voilà. Voilà pour lui, je vais le finir aujourd'hui, je pars chez mes parents tout à l'heure, donc je vais l'emmener, je vais le laver là-bas, parce que j'aimerais bien pouvoir faire des photos dans leur jardin, parce que ici c'est la galère infernale pour faire des photos, parce que j'ai pas de jardin, et du coup comme je suis hyper angoissée, c'est très compliqué pour moi d'aller moto prendre en photo en extérieur, et je ne veux pas faire de photo en intérieur, je trouve que chez moi la luminosité est trop moche. Donc, eh bien, ma foi, je vais le laver, je pense que si je le lave demain matin, et que je les sors à la machine, en plus il y a du coton, ça ne craint rien, et vu le prix du truc, voilà. Demain on est mercredi, il sera sec jeudi, donc je pourrai faire des photos. Et du coup pour le prix de revient, ce que je vous disais c'est que si ça rentre dans ma pelote là, ah ça s'accroche avec l'autre. Ah oh, et je perds l'étiquette, tout va mal. Je ne sais pas si j'aurai assez de cette pelote pour finir le corps, j'en ai aucune idée. Mais si ça finit dans cette pelote, eh ben j'ai un nouveau vêtement tricoté main pour 6€. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est tout de même franchement raisonnable. Comme budget, dans le commerce, vous ne trouverez pas un pull en coton fait main. Non, en fait main non, mais pull en coton français à 6€. Et même un pull en coton à 6€, faut vraiment aller chez des marques ultra fast fashion, quoi. Donc, je suis contente. À cela près que, du coup, je noterai pour le prochain. Je sais pas si je ferai autant de rangs raccourcis. Faudra voir au porté, l'encolure... Les manches peut-être un peu plus larges et peut-être un peu moins de mailles dans le dos. Voilà. C'est tout. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente de mon nouveau ranunculus. J'ai qu'une hâte. C'est d'en faire plein d'autres. Dans plein d'autres coloris. Je vous dis, j'ai commandé, je crois, rouille. Je crois que j'ai commandé violet clair. Rose clair, ils appellent ça rose désert ou je sais pas quoi. Rouille, c'était rouille. Je crois violet, c'était violet orchidée, je sais pas quoi. Rose désert, écru et un autre.
Est-ce que ce serait pas abricot? Peut-être, je ne sais plus, il y a plein de belles couleurs dans la Paris. Voilà, je trouve qu'elle est très bien pour des projets comme ça. Vraiment, vous pouvez faire des cadeaux, ça revient pas cher du tout. Franchement, un ranunculus, en plus si vous faites pour une ado en plus petite taille, enfin ça vous prend 2 jours quoi, c'est vraiment je trouve que c'est un super cadeau, et franchement, au niveau de la durabilité, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il vaut au niveau de la durabilité, mais au niveau, là, moi, de tricot et tout, je suis super contente. Alors, au crochet, je pense que ça doit peser un poids d'âne mort, mais là, un petit pull crop, bah, moi, ça va faire 300 grammes, ça va, voilà, ça va. De toute façon, c'est pas un truc que je vais porter quand il va faire 40 degrés. D'ailleurs, je vais vous en parler, là, dans les vidéos que j'ai regardées, mais dans la vidéo d'Audrey Bourigo, dans son vlog, elle parle de ce qu'elle préconise comme fil pour tricoter des t-shirts et des débardeurs à porter l'été, et je suis complètement d'accord avec elle. Pour moi, un tricot d'été en laine, ça n'a absolument aucun sens. Et comme elle dit, la laine a un côté thermorégulateur, oui, mais jusqu'à un certain point. Et moi, clairement, vous ne me verrez jamais tricoter des t-shirts, et encore moins des débardeurs en laine, même si c'est un mélange laine quelque chose, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, je ne les porterai pas, hormis les Rocket Tee que moi, je porte à la mi-saison. Et voilà, et sûrement pas l'été. Et Audrey, elle dit qu'elle, elle porte de la laine jusqu'à 25 degrés, parce qu'elle vit dans le sud et qu'elle est habituée. Moi pas, clairement pas, je ne porte pas de la laine jusqu'à 25 degrés, moi je porte de la laine jusqu'à 20 degrés. Clairement, je porte de la laine jusqu'à 20, 21 degrés, 22 degrés. Après, jusqu'à 26 degrés, je porte 26, 27, je porte des matières végétales, et au-delà de 27 degrés, je ne porte plus de tricot, du tout. Je porte que des machins du commerce, des bardeurs ultra fluides, ultra légers, en jersey de coton, et en viscose, ou je sais pas quoi. Voilà. Bref. Donc. Alors. Les patrons, il y en a plusieurs, j'ai repéré plusieurs patrons vachement sympas qui sont sortis sur Ravelry. Alors, il y a le magazine Laine qui est sorti, inspiration je sais plus combien, je l'ai pas regardé. Et il y a 2 patrons dedans qui m'ont tapé dans l'œil, qui sont vraiment très très beaux. Il y a un petit pull d'Irène Lin qui s'appelle Queens, qui est très très beau, qui a l'air d'avoir un haut... c'est quoi, des raglans? Ah non, c'est d'ailleurs d'être des manches montées, marteau. Peut-être, je ne sais pas, je vois pas trop bien. En jersey, et après il y a une ligne où je pense qu'il y a pas mal d'augmentations, et ça se poursuit en côte torse, avec un motif de fleurs en côte torse en bas. Je le trouve absolument canon. Et il y a Audrey Bourigo, donc Yarnflakes, qui a un petit pull aussi dans ce magazine-là, qui s'appelle Lucienne, et qui est un petit pull avec une encolure un peu large, et un jeu de dentelle sur les raglans, et sur les côtés. Alors, j'ai pas trop compris si c'était sur un seul côté ou sur les deux. Je crois que c'est sur un seul côté, mais les photos étaient pas très claires. Mais en tout cas, c'est très beau que ce soit sur un ou deux côtés. La dentelle qui se poursuit, je le trouve vraiment très très beau. Il y a Mélina Ami, donc In a Pandas World, qui a sorti le drôle de truc, qui est un pull original avec une tresse au milieu où on change de couleur, en fait. Il est bicolore, voilà, comme la glace vanille fraise, et je le trouve vraiment sympa. Il y a Julia M, donc la fondatrice, vous savez, de Hockpick, la machine à tricoter des chaussettes, qui a sorti un patron de chaussettes en jacquard gratuit, que je trouve trop 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 mignon, qui s'appelle Sous l'océan. Donc vous avez plein de petites grilles de jacquard de trucs de, qu'on trouve sous l'océan, à mettre comme vous voulez sur votre chaussette. Je trouve ça génial, c'est trop mignon, c'est trop bien fait, et moi j'ai déjà téléchargé le patron, il faut absolument que je le fasse à un moment donné, parce que c'est très beau. Il y a Irène Lin qui a sorti le Erin Sweater, qui est un pull... Alors, comment ça s'appelle ce genre de... Attendez, je ne sais plus le nom de ce col. Le col camionneur, c'est ça? Je crois que c'est ça. Un col camionneur. Et texturé. Alors, je ne suis pas hyper fan des cols camionneurs, mais je trouve que le pull, dans son ensemble, rend vraiment très bien. Il y a Lysandre qui a sorti les chaussettes Guadeloupe, donc qui sont ces fameuses chaussettes avec des palmiers. Voilà, puisqu'elle est partie en voyage en Guadeloupe, elle a designé pour l'occasion... une paire de chaussettes avec des palmiers, et je les trouve très très belles. Il y a Anne Wenzel qui a sorti un gilet que je trouve magnifique, qui est tout à fait dans la veine des gilets que j'ai tricotés déjà depuis ces derniers mois, et que j'adore, c'est-à-dire les gros gilets col châle. Là, c'est le William Wrap, qui est un gros gilet col châle, au point de riz, visiblement.
avec des mailles glissées ou torses, je n'en sais rien. Je le trouve très, très, très beau. C'est tout à fait le genre de pièce que j'aime. Voilà pour les patrons. Et pour les vidéos, j'ai regardé la vidéo de Elodie en Knitting Journey. J'étais super contente de la revoir. Justement, juste avant qu'elle publie, je me disais, oh là là, Elodie, et elle me manque, et Azamtou me manque aussi. Les filles, si vous passez par là, je vous embrasse. Et bah du coup, elle a publié une petite vidéo, et c'était très très cool. J'ai regardé l'épisode 2 du vlog avril de Yarnflakes, et je vous l'ai dit, c'était très très cool, et elle a toujours des réflexions ultra intéressantes, notamment là, sur les fibres d'été, les fils d'été à tricoter, à porter, comment je suis 300% d'accord avec elle, et moi, personnellement, plus ça va, plus je trouve que le 100% coton n'est absolument pas adapté à l'été, parce que c'est lourd et chaud, le coton, quoi qu'on en dise, c'est lourd et chaud, j'en ai plein en stock, parce que j'aime le coton, mais c'est vrai que du coup, je pense que je ferais plutôt des t-shirts de mi-saison que des débardeurs avec ces fils de coton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser, je vais continuer mes tâches ménagères, et on se retrouve, on est quel jour? On est mardi, je pense qu'on se retrouvera jeudi pour clore. Et je vous montrerai mon ranunculus, peut-être terminé, enfin terminé, enfin, bah, là, 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 on rembobine, on recommence. Ouf, respire Manu, voilà, là, vous savez, je suis en mode, et ça se sent. Je vous montrerai le ranunculus, s'il est sec, terminé, parce que c'est quasiment certain, enfin c'est sûr qu'il sera terminé, mais c'est pas sûr qu'il sera sec. Voilà, allez, sur ce, à plus tard. On est jeudi et je viens clore cette vidéo aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, parce que demain je n'aurai pas le temps. Et regardez ce que je porte, mon ranunculus, oui, il est terminé. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, je vais me lever un peu après pour vous montrer, même si c'est très difficile pour moi d'assumer mon ventre. Clairement, c'est ultra dur, sachant que mon ventre est un ventre de... d'anxiété, vous savez, la graisse de cortisol, le truc super mauvais, mais voilà, bref. Je suis très contente, il a pas bougé au lavage, j'avais peur qu'il se détende beaucoup ou quoi. Non, franchement, je crois qu'il a quasiment pas bougé au lavage. Je l'aime beaucoup. Alors, avant de vous montrer plus, donc petite, je vous redis pas, c'est le ranunculus, tout ça, mais vous voyez l'encolure, j'ai fait l'encolure large. J'ai tricoté en aiguille 6, hein, comme préconisé. Chez certaines personnes, l'encolure large, elle fait ça. Clairement, vu que, bon, du coup, le tricot de série, ce n'est pas un scoop. Pour les prochains, je pense que je ferai le montage en aiguille 7, comme ça j'aurai vraiment l'encolure large. Alors là, l'encolure, elle me plaît, mais c'est vrai que quand on regarde les versions des gens qui ont fait l'encolure large, on peut vite avoir un truc bateau beaucoup plus grand, et ça me déplaît pas non plus en fait, j'aime bien. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait les rangs raccourcis devant, parce que je trouve que ça remonte trop le devant. Là, je trouve que ça tombe très très bien, j'aime beaucoup comme ça. Je trouve que le motif rend bien. Derrière, je ne regrette pas d'avoir fait les rangs raccourcis. Par contre, peut-être que je n'aurais pas dû rajouter deux allers-retours. Parce que du coup, ça fait quand même un gros paquet de rangs raccourcis quand on tricote en aiguille 6. Et je trouve que ça descend quand même pas mal le tricot. Alors, ça, alors certes, ça le remonte pour que mon devant ne passe pas son temps à se balader derrière. Mais ça fait quand même une différence de longueur entre l'avant et l'arrière qui n'était pas très dérangeante, mais qui se voit. Je vais vous montrer après, je me retournerai. Au niveau de la taille, bah, j'ai pris la taille 5 et ça me plaît bien. Le seul truc que je modifierai la prochaine fois, c'est que je répartirai autrement les mailles entre les manches et le corps, parce que je trouve que mon corps est un tout petit peu... Alors il est large, je voulais de l'aisance, il est large mais presque un tout petit peu trop... En comparaison aux manches qui au final n'ont, alors je suis pas serrée hein, mais n'ont pas tant d'aisance que ça. Donc je pense que genre deux mailles de chaque côté, paf, de plus basculer sur les manches, ça ferait deux mailles de plus sur chaque manche et quatre mailles de moins sur le corps. Quatre mailles sur des aiguilles 6, c'est quand même énorme hein, ça fait un bon centimètre et demi, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. L'autre truc c'est que j'ai fait les côtes en 5,5. Pour les manches, je trouve ça très bien. Pour le corps, je trouve que ça aurait peut-être mérité d'être en 5. Parce que je trouve peut-être que ça fait un peu chou-fleur, les côtes ayant tendance à s'écarter. Pourtant, ce sont des côtes torses. Le rabat à l'italienne, j'aime beaucoup. Très très bien. Et mais par contre, comme toutes les côtes torses, elles ont tendance à vriller, à partir en spirale. Je l'ai mis donc là sur un débardeur noir, j'en discutais avec mes copines de mes tricamis, et elle me disait, est-ce que du coup t'aimes bien, elle me disait qu'elles aimaient bien, moi c'est vrai j'aime beaucoup cette couleur, j'aime bien la coupe, j'aime bien la forme. Ah oui, et au niveau longueur, je vous avais dit que je voulais des manches au coude, peut-être que j'aurais pu faire des manches un tout petit peu plus longues,
Mais si elles avaient été plus larges. En fait, là, avec leur largeur, leur longueur me plaît bien. Pour le prochain, je ferai peut-être quelques rangs de plus. Et voilà, mais celui-là me plaît bien, franchement. Alors bien évidemment, c'est pas un truc que je mettrais sous 40 degrés, hein, clairement. De toute façon, sous 40 degrés, j'ai qu'une envie, c'est d'être à poil dans ma baignoire, dans l'eau froide, voilà. Niveau longueur du corps, je trouve que c'est bien. Je n'enlèverai pas de centimètres parce que, après, bah, on arrive, clairement, j'ai des gros seins, hein, on arrive, je sais pas, voilà, vous voyez, sous les bras, si je lève un peu, si je lève les bras, on arrive vite... Vous voyez, vite à mes seins, quoi. Donc, niveau longueur, j'aime bien. Et, quoi d'autre? Mais je crois que c'est tout. Et 6 pelotes, c'est merveilleux. 6 euros, franchement. J'ai pas encore eu mon colis. Je vous ai dit que j'en avais commandé d'autres pelotes. Je n'ai pas encore reçu mon colis. Mais oui, j'ai très envie. Là, j'ai très envie directement d'en remonter un deuxième. Dans la foulée, quoi. Dans la foulée. Et ouais, j'ai acheté un pantalon d'été large noir. Très fluide, et je trouve que j'ai fait les photos avec, j'ai pris en photo tout à l'heure dans le jardin de mes parents, et je trouve que ça rend vachement bien. Débardeur noir, pantalon large noir, et ça, en peps, et vous imaginez, en plein de couleurs différentes, et tout. Oh, je suis trop fan. Après, je vais vous montrer le dos, on voit un petit peu le changement de fil. En fait, je pense qu'avec le, enfin déjà, avec le coton, c'est très difficile de ne pas voir le changement de pelote, même si on le fait sous le bras, même si on le fait machin, et alors sur un fil aussi épais, bah c'est clairement hyper difficile de ne pas... De ne pas voir le changement de pelote, en fait, c'est hyper compliqué, c'est un énorme fil, donc peu importe la technique que vous employez, franchement, je pense que ça se verra toujours. Là, j'ai employé une technique qui, à mon sens, est pas, enfin, est l'une des moins visibles, même si vous allez voir, ça se voit. Mais voilà, donc, je me mets à genoux pour vous montrer le devant. Donc voilà, alors c'est court, hein, alors j'ai pas de taille, moi, je vous l'ai dit, j'ai pas de taille, mais mon nombril est là. Mes hanches sont là, et quand il est mis normalement et que je suis droite normalement, il m'arrive au nombril. Ouais, au nombril, et la longueur me plaît bien. Donc voilà la bestiole. Franchement, j'aime bien, mais voyez les côtes, je trouve qu'elles ont tendance un peu à... Comme ça, là. Donc peut-être dans un demi-numéro d'aiguille en dessous, ça ferait moins ça. Mais bon, franchement, pour un t-shirt d'été, j'aime bien. Et vous voyez, en 6 mois... C'est pas déjaugé, hein. Enfin, c'est clairement presque... Non, c'est pas déjaugé, c'est presque pas déjaugé en 6 pour ma manière de tricoter. Donc ce coton-là, franchement, il est très très peu cher et très très bien pour ça. Et donc, je vous montre le dos. Voilà, vous avez vu la bête. Eh bien écoutez, si ça peut vous inspirer, j'en serais ravie, parce que je pense que c'est un super petit projet rapide à faire quand on n'a plus le mojo tricot. Genre on en a marre, et paf, on se fait un petit truc en une semaine, on a un petit top. Et franchement, si vous faites une taille plus petite que moi, vous rentrez ça en 5 pelotes, 4 pelotes. Et je crois qu'il y a 75 mètres par pelote. Enfin, clairement, vous faites ça en... en 3 jours, quoi. Moi, je l'ai fait en 4 jours, mais... Voilà, donc j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pas déjaugé, mais c'est fluide. Je trouve que pour ma tension, les aiguilles 4, c'est très bien. Et j'aime bien la couleur. Je me demande si vous n'avez pas une couleur un petit peu plus pâle qu'elle n'est vraiment, parce que moi, je la vois quand même très claire dans le retour caméra, vu qu'il y a le soleil qui est là. C'est vert d'eau, tout simplement. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai appris à faire une augmentation... Un KFB bizarre, vous verrez si vous faites le patron un jour. Je crois que dans mes autres versions, j'avais eu la flemme, j'avais fait des KFB partout, et en fait, c'est pas ce qu'elle fait. Elle fait faire, d'un côté pour les raglans, d'un côté du marqueur un KFB, de l'autre côté un truc similaire au KFB, mais qui n'en est pas un, que je n'avais jamais fait nulle part, et qui fait qu'il n'y a pas de trou dans les raglans, et ça c'est cool. Voilà, je crois que Laura Nonculus, il y en aura encore plein d'autres sur mes aiguilles, dans plein d'autres matières, dans plein d'autres tailles... etc. En tout cas, ça j'aime bien. Si j'assume de le porter, je pense que je vais beaucoup beaucoup le porter parce que j'adore ce genre de truc. Bref. Et sinon, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai avancé? Alors, j'ai avancé un tout petit peu ma soquette en footprint de Wool Addict, mais rien d'intéressant. Et le seul truc que j'ai avancé, c'est le aconite que je teste pour Yarn Flakes Audrey Borrego, parce que la deadline approche et que j'aimerais bien être dans les temps, parce que... C'est cool d'avoir une designer super cool qui dit pas de panique, vous avez le temps, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cool aussi d'être un testeur dans les temps, quoi. Donc, nous sommes le, je ne sais pas, 18, je crois. Ouais, c'est ça, nous sommes le 18. Et le patron sort le 24. Donc, je pense que j'aurai fini le petit pull aconite. Alors là, on n'est clairement pas du tout sur la même taille de maille, puisque là, j'ai tricoté en 6 et l'autre, je tricote en 3,25. En fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'on peut faire des milliards de trucs avec du fil et des aiguilles. On prend n'importe quelle taille d'aiguille, de fil, et on fait des trucs, et ça marche pas, mais ça fait des trucs différents. Vous voyez, entre ça et le aconite, il y a un monde, et pourtant, les deux sont trop cool, quoi. Bref, donc il sort le 24, donc j'ai encore, disons, 5 jours, le temps que ce soit vraiment fini pour le 24. Et où j'en suis? Donc rappel, je tricote ça avec, je sais même plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, de la Knitting for Olive coton merino, coloris piglet et dark, non, ochre brown. Et donc, j'en suis là. Oh là là, je vous montre une serpillière là. Alors l'encolure, j'ai toujours un doute, mais je l'ai passé hier. C'est ça, et je trouve que ça allait. Je pense que une fois sur moi lavé et tout, ça va aller. Par contre, je trouve qu'il a de l'aisance un peu plus que ce que je pensais, mais au final, ça peut faire un petit pull très léger, très sympa. Donc, j'ai fini une manche. Oui, alors, elle vous paraît très courte. Je vous vois dire, mais c'est une manche 3/4, ça. Mais oui, les amis, c'est une manche 3/4 parce qu'on est sur des épaules tombantes. Donc déjà, ça commence pas à l'épaule, hein, ça commence bien plus bas. Et j'ai des petits bras, rappelez-vous. Donc je l'ai essayé, ça me fait des manches 3/4, tout comme il faut. Donc voilà, j'ai fait une manche 3/4. Et bah j'ai tout juste commencé la deuxième. Donc il me reste 5 jours pour finir la deuxième manche. Et franchement, ça va le faire. Enfin, voilà, vous avez vu la taille des manches. Même s'il n'y a pas de diminution, donc il y a quand même pas mal de mailles, ça va le faire. Et ce petit projet sera fini. Et après, je pourrai me concentrer sur le Sioman et sur le Atul Carnigan que je teste aussi pour Audrey. Les deux n'ont pas bougé d'une seule maille là. Mais je voudrais finir celui-là. Comme ça, ce serait fait. Et voilà. Et je pourrais le porter parce que mine de rien, il fait froid. Vous voyez, là, j'ai mis ça pour vous. Mais clairement, je n'avais pas ça par-dessus mon débardeur. J'avais mon ranunculus en mohair parce que je crois qu'il fait 10 degrés dehors. Donc... ça caille un petit peu ce matin, j'ai été faire les photos et ça caillait un peu. Voilà pour le petit point tricot, j'ai rien de plus à dire, on va finir avec les patrons et les vidéos. Et j'ai le nez qui coule, je suis désolée, je crois que je me tape une allergie de sa mère là. Ça fait quelques jours que j'ai des gratouillis, mini démangeaisons, des oreilles jusqu'au fond de la gorge, des deux côtés. Et le nez aussi, j'arrête pas d'éternuer et je pense, enfin ça ressemble beaucoup à des allergies. Ça fait longtemps que j'avais pas eu d'allergie comme ça, moi je suis très sujette aux allergies. Et ben voilà, donc bon bref, c'est rien de grave mais c'est pénible. Alors, au niveau des patrons, attendez, où sont-ils? Ils sont là. Il y en a deux, alors je vous mets ça. Là, il y a Gabrielle Vizina qui a sorti le Florescence Top, qui est un joli petit pull, moi j'appelle ça un pull, colvé, avec des manches en dentelle japonaise. Je trouve ça super super joli. Et il y a Stéphanie Lodven qui a sorti un châle qui s'appelle le Rainbow Bouquet, qui est, à mon sens, designé pour utiliser des restes ou des minis. Et je le trouve très sympa, dans le fait qu'il se tricote de gauche à droite, et pas de haut en bas ou de bas en haut. Donc voilà, si vous voulez utiliser des restes ou pas, hein, ça, on peut le faire bicolore, mais elle l'a fait volontairement en arc-en-ciel, je pense, dans l'idée de montrer qu'on peut utiliser plein de minis, et je trouve ça cool. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 11 du podcast de Mathilde, du vlog de Mathilde, Mathilde tricote, et c'était très très chouette, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie, et elle va tricoter un châle sublime. Moi j'ai vu à quoi ressemble le châle, puisque je suis abonnée à la liste de diffusion de testeurs de Nadia. Moi je n'ai pas postulé pour le châle, mais j'ai vu à quoi il ressemblait, et je pense que dans les coloris de Mathilde, ça va être pépite. Voilà, bon bah je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vais peut-être démarrer le prochain vlog samedi, je sais pas trop. Peut-être, on verra, je ne sais pas. En attendant, j'espère que même si c'était pas très riche en tricot, j'ai quand même fait un projet express. Ça vous aura plu, peut-être donné des idées. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, un très beau week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Et bien voilà, à bientôt, prenez grand soin de vous.